Oui, bien sûr. En fait, pour moi, le patrimoine existe si la personne le considère. Et au final, c'est pas qu'une question de grandeur. En fait, pour moi, considérer son patrimoine, c'est réussir à mettre son argent au service de sa réalisation, de son projet de vie, voire même de ses rêves. J'ai créé la méthode Evovie pour permettre à chacun, particulier et professionnel, de devenir autonome sur ses choix financiers et aussi dans leur mise en action. C'est une méthode d'accompagnement qui se veut personnalisée. Ça se passe bien, ça commence toujours par un appel téléphonique. Cet appel me sert à valider la nécessité de l'accompagnement. Je m'appuie pour cela sur trois points précis et déterminants. Je vous invite tout simplement à cliquer sur les jolis boutons verts présents sur le site. Ce sera un grand plaisir pour moi d'échanger avec vous.